Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de Spareka. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer de résistance sur un lave-vaisselle. Les raisons pour lesquelles on va changer la résistance. Très souvent, vous allez retrouver votre vaisselle qui est sale, mal lavée, la pastille qui n'est pas dissoute ou la vaisselle qui reste humide en fin de cycle. Allez, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour recevoir les dernières vidéos. La résistance est démontée. Très souvent, il faut démonter la pompe de cyclage et la résistance est fixée directement dessus. Là, la pompe de cyclage va être à l'arrière, la résistance va être devant. Pour la démonter, on peut enlever le petit cache ici. La résistance, c'est cette partie-là. On voit sur la pompe qu'elle est fixée par des petits clips ici. Il va falloir faire un quart de tour pour pouvoir la déboîter. Un conseil, marquez l'endroit pour remettre les durites au bon endroit sur la pompe. Le conseil, vous prenez un petit tournevis, vous venez rayer l'endroit sur la pompe et pareil sur la résistance. Comme ça, vous savez où elle doit se trouver pour qu'elle soit bien emboîtée correctement. À partir de là, il va falloir lever les deux petits clips qu'on trouve ici, les plier légèrement. Si vous les cassez, c'est pas grave sur l'ancienne. Sur les nouveaux, ça va venir se remettre et se reclipser normal. Pour la déboîter, il suffit de faire un quart de tour. Vous auriez deux clips ici à lever pour la déboîter. Voilà, une fois qu'on a fait le quart de tour, hop, on peut séparer les deux pièces. Cette pièce-là, on va la changer très rarement. C'est la pompe de cyclage, c'est ce qui va permettre de faire tourner les bras, envoyer la pression dans les bras de lavage. Et là, on retrouve la résistance. Pour le remplacement de la résistance, comme je vous disais, bien remettre les deux marques que vous avez faites sur les deux parties en face, pour que les durites soient en face des tuyaux. Il suffit de revenir dans son emplacement, bien forcé pour que le joint soit appliqué, hop, et on fait un quart de tour. Voilà. Ici, vous voyez, je retrouve ma rayure ici sur la résistance et ma rayure sur la pompe. La vidéo est finie, on vous a montré comment réparer votre lave-vaisselle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Allez, à plus! Besoin d'aide pour réparer, mais vous trouvez les interventions à domicile trop chères? Spareka propose de vous faire aider par un réparateur à distance. C'est moins cher et plus rapide. La réparation à distance par Spareka, c'est tout un réseau d'experts prêts à vous aider et la première communauté de techniciens en visio de France. Des techniciens confirmés avec une expérience terrain de 10 ans en moyenne, des créneaux disponibles sous 30 minutes, soir et week-end, un accompagnement étape par étape, pas besoin pour vous d'être un réparateur né. Et vous pouvez bénéficier du bonus réparation et ainsi profiter d'une réduction et d'une garantie commerciale de 3 mois. Deux pannes sur 3 sont résolues sans même changer de pièce, alors tentez l'expérience visio par Spareka.